bonjour tout le monde, ici Dave Gaming et on se retrouve pour continuer la suite de Top Gear sur Forza Horizon 4. Et bonne vidéo. Ah, ok. Solo. Choisir le chapitre et on était rendu, oui. Je comprends pas pourquoi que lui est pas sélectionné parce qu'on l'a fait dans une autre vidéo. Du coup, on va aller faire la quatrième course. This is Project EAT. That's EAT for E-Class All-Terrain. It's a modified Merc built by the Top Gear magazine team for finding bears in the woods. Not many bears around here, though. Mostly badgers. Still, there's definitely some terrain. Lots of it. All you need is a good sense of direction. Or not. Here's Stig again, looking lost. Terrified of maps, apparently. Inner compass points directly south. Bon. Du coup, ça s'arrête à une destination. The EAT has a silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch by any means necessary and against the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. À 400 mètres, tournez à gauche. Faites demi-tour dès que possible. Allez, 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 allez. Who says you need an SUV to go off-road? The EAT has four-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example. Allez, on rabobine et on se reprend. Finalement, notre tête perdu tout de suite de temps qu'on tourne. Lors des éliminatoires, oui, c'est chaud de passer à travers un tour comme ça. Well, it is a Mercedes bike, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. À 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. That's some proper hang time. Actual air suspension. Prenez le virage serré à gauche. En cours, on n'a pas le choix. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 400 mètres, tournez à droite. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. Time to head way over there, to the very top of Arthur's Seat. But first, what goes up must come down.
Ah ok, le truc est là. Faites demi-tour dès que possible. À 400 mètres, tournez à gauche. It's full of home comforts, the EAT. Charges for almost anything you can charge. Cozy ambient lighting, even a portable espresso machine. Everything the intrepid explorer can ever need. Regardons un truc sur la map. Ok, là, avec le rond-point, on pourrait aller au rond-point. Nouveau calcul de l'itinéraire. Ça va. C'est pratique le rabobinage. Ça peut vous sauver la vie. Faites demi-tour dès que possible. À 400 mètres, tournez à droite. All right, all this adventure kit's had a tiny effect on the fuel efficiency. Là, si je vais tout droit. Ok, je peux suivre l'itinéraire jusqu'à là, d'accord. Good job the roof rack holds two cans of diesel, and there's another one in the back. Just don't confuse them with your drinking water. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Tournez à gauche. Et on peut d'abord aller chez Arbre. On to the final stretch now. Just a small matter of getting up Arthur's seat. The clock's ticking, so better step on it, Stiggy. À 100 mètres, tournez à gauche. Oh! À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. We go. Oh, putain, the top of Arthur's seat. No idea who Arthur is, by the way, or why his seat's so big. Nice view, wow. Though. Shame there's no time au to moins stick un around. Étoile, c'est déjà ça. Ça me suffit, hein, Thomas.
Hey, mais quand tu regardes ça, là, c'est chaud avoir les 3 étoiles. What the fuck? Continuez. Bon, bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on va se retrouver pour une prochaine course à Top Gear. À la prochaine! We'll be right back.